Bien sûr. Donc c'est un programme de compétition de création de start-up, donc américain d'ailleurs, c'est international. Donc nous, on a participé bien sûr dans le cadre de notre école. On a eu, on a eu 56 normalement. 56 idées projets. Donc vous voyez, idées projets, ça veut dire chaque équipe de 3 à 5 étudiants, ça a une idée projet. Mm-hmm. On a eu 56 idées projets. De création d'entreprises. Donc, Afkarabien, à l'époque, c'était, food and agriculture. Donc, à l'époque. Voilà, on connaît bien sûr, on va apporter beaucoup plus l'agriculture, puisque ça nous concerne directement. Donc, c'est des idées qui vont de la création des applications, par exemple, jusqu'à. Il y a des idées qui vont la création des drones, par exemple, dans le domaine agricole, des applications qui aident à la gestion du cycle de l'eau. Ça veut dire, il y a eu, par exemple, en guise d'exemple, une étudiante, un projet, une application. Zmara stalet n'importe qui se met à installer le téléphone Inès, on va faire même ce qu'on appelle une géolocalisation, sans le dire, c'est pour couvrir, là, quelqu'un fait une fuite, que ce soit de le réseau toi-même, l'eau potable dans l'assainissement, tu vois, tu gardes. On va dire, c'est une application, tu gardes bien sûr le cerveau, on va dire, tu gardes direct qui est responsable pour qu'il puisse intervenir à temps. Ça veut dire, mettre la fuite, quelqu'un soit référent, des fois, on a une fuite, même si on a dans les autorités, l'application, ça va aider déjà à informer les autorités, en même temps, à subvenir aux besoins du citoyen. Ça veut dire qu'il y a des quartiers, c'est un problème, que ce soit l'assainissement. Ce qui est des idées, voilà, il y a des idées, oui, tout à fait. Il y a eu